Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, ça c'est une directe express et très, très, très important. Je ne serai pas ici en train de parler après la nuit des flammes. Ça c'est mon deuxième direct ou le troisième direct en cette journée. C'est une nouvelle que je viens de recevoir, une nouvelle que j'ai jugée très importante pour pouvoir faire un direct, parler à l'Église et au monde entier. La tentative d'assassinat sur l'apôtre John Soleiman, il y a de cela quelques heures seulement. Il y a de cela quelques heures. Bonjour à tout le monde, bonjour. Ceux qui sont en train de... Oui, vous n'êtes pas reposés, oui, c'est vrai. Après le direct, moi, je ne peux pas me reposer. Mais je ne veux pas ne pas faire le direct. Bonjour à mon fils, l'architecte Romain. Tentative d'assassinat sur l'apôtre Johnson Suleiman. On doit revenir sur ça. On doit revenir sur ça. C'est très important. On doit revenir sur ça. Ne vous ai pas reposé, papa. Maman, l'urgence de ça. Oui, bien sûr, c'est urgent. Après ça, je vais me reposer. Il n'y a pas de problème. Mais là, on ne peut pas se reposer lorsqu'un général de l'armée du Seigneur a failli mourir aujourd'hui. Il y a eu 7 morts dans la tentative d'assassinat. Vous comprenez que les gens ne sont pas venus pour s'amuser. Ils n'étaient pas là pour lésiner. 7 morts, 7 morts, 7 morts pour tuer l'apôtre Johnson Suleiman. Je pense que vous le connaissez. J'ai déjà tellement parlé de l'apôtre Johnson Suleiman. Il vient d'avoir une tentative d'assassinat contre lui. Une tentative d'assassinat. Vous savez, l'apôtre Johnson Suleiman au Nigeria, en principe, au Nigeria, tous les hommes de Dieu de notre carrure, tous les hommes de Dieu qui mobilisent la nation, qui impactent la nation, l'Église et la nation, le gouvernement, ces hommes de Dieu sont escortés par la police. Ils sont toujours escortés par la police. Donc l'apôtre Johnson Suleiman est toujours escorté par la police. Mais toute son escorte a presque été décimée. Elle a été presque décimée. Tous les policiers qui l'escortaient ont été assassinés froidement. Lorsque vous voyez les images, plus tard, les images vous reviendront, que ce soit sa voiture ou les autres voitures ont pris des balles, des balles. Je pense à l'arme automatique. Donc l'intention était pas seulement d'assassiner l'apôtre Johnson Suleiman, lui et sa famille, mais d'assassiner toute l'escorte. Ça vous montre le sérieux de ceux qui ont préparé ce coup. Il faut qu'on en parle. Donc, il était avec sa femme, avec ses enfants. Donc, lui et ses enfants, je pense qu'il était là. Je crois bien. Lui, sa femme et ses enfants ont été miraculeusement délivrés. Nous ne savons pas encore ce qui s'est vraiment passé pour qu'ils échappent. Mais je pense que lui-même, il a fait un direct, il y a de cela quelques heures. Il y a quelques heures pour rassurer, nous rassurer qu'il est vivant et pour dire à ceux qui ont essayé de lui faire du mal qu'aucun homme ne peut le tuer parce que c'est Dieu qui tient sa vie dans sa main. Et je dis amen à cela. Maintenant, vous voyez, l'apôtre Johnson Suleiman, il faudrait revenir dans la genèse de l'affaire. C'est un apôtre prophète. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est un apôtre prophète. C'est-à-dire l'apôtre Johnson Suleiman, je crois qu'aujourd'hui, c'est le pilier du ministère prophétique en Afrique et dans le monde. Il fait partie des piliers. C'est-à-dire des personnes à qui Dieu a donné une grande responsabilité prophétique, des personnes qui ont une telle perspicacité prophétique qu'ils ont escaladé toutes les 3 dimensions prophétiques. Ils ont escaladé les 3 dimensions prophétiques. Ça veut dire, après son niveau prophétique, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de classe. Et il n'y a plus de classe. C'est un agrégé dans le domaine du ministère de la prophétie. Et forcément, ce qu'il fait apporte de la haine, de la jalousie. Et je suis convaincu que soit ça vient du gouvernement, soit ça vient des hommes de Dieu qui sont jaloux de son œuvre. Mais nous le saurons. C'est les deux sources ici. Soit ça vient du gouvernement,
quelques personnes aigries dans le gouvernement, soit ça vient de l'Église, des hommes de Dieu qui sont jaloux de son ascension et tout ça. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a essayé de porter atteinte à la sûreté, à la stabilité de l'apôtre Johnson Suleiman. On a d'abord voulu détruire son ministère et son mariage. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, peut-être 2 ans en arrière, il y a une jeune dame qui a publié des photos d'elle et des conversations, des captures de vidéos, d'appels vidéo et des messages d'elle avec l'apôtre Johnson Suleiman, où il lui aurait écrit des phrases que je ne veux pas répéter ici. Elle a publié ça sur Facebook et dans tous les réseaux sociaux et ça avait chauffé. Ça avait fait un grand tollé et sur la toile et donc les ennemis de son ministère et de sa personne ont repris ça en boucle. Donc, si l'homme-là n'est pas mort à cette époque-là, ça veut dire que rien ne peut plus le tuer. Ça, c'est un grand signe que Dieu nous a donné. S'il n'est pas mort, ça veut dire que et il ne mourra pas de la main d'un homme. Alors, il y a eu tellement de scandales, les gens en ont fait toute une grosse affaire, amplifiant le problème pour prouver qu'il est un faux homme de Dieu, un homme de Dieu qui trompe sa femme, un immoral et un menteur, c'est-à-dire qu'il ment au peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme va faire un direct. Et le titre du direct, c'est « Pas mon mari, pas mon mari ». C'est aussi pour cela que nous disons que les hommes de Dieu doivent avoir des femmes matures. Les hommes de Dieu doivent avoir des femmes matures, des femmes assises. Des femmes qui sont des mères, pas des enfants dans leur tête et dans leur esprit. Des personnes qui peuvent gérer avec leur mari les moments de turbulence. Elle a été aux côtés de son mari. Elle a fait un direct. Elle a dit, pas mon mari. Mon mari ne peut pas me tromper. Mon mari ne peut pas faire ce que je vois. Malgré qu'il y avait des vidéos, les documents où il envoyait l'argent à la jeune femme. Sa femme a vu toutes ces preuves-là. Des captures de vidéos, captures de photos, les screenshots, et puis la publication de leurs messages et tout. Sa femme a vu tout ça, mais elle a soutenu son mari. Elle a dit, pas mon mari. Donc, je parlais de l'apôtre Johnson Suleiman et j'expliquais qu'il y a eu un scandale sexuel. Les gens ont inventé toute une histoire pour renverser son ministère. Il y a une jeune femme qui l'a aidé, à qui il a fait du bien et qui va confesser à la fin qu'en fait, on lui avait payé de l'argent pour venir scandaliser l'homme de Dieu et détruire son ministère. Heureusement que l'église a été derrière l'apôtre Johnson Suleiman, son épouse a été derrière lui, elle a été ferme et le Seigneur l'a préservé. De cela. C'est pour ça que je dis à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes des hommes de Dieu, aux femmes des hommes de Dieu, soyez matures, faites attention. Parce que dans le ministère, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Moi-même, je parle comme ça, je ne sais pas ce que les ennemis tapis dans l'ombre sont en train de chercher, à faire, à planifier. Si vous n'êtes pas mature, sachez que les gens et les ennemis du ministère que vous dirigez avec votre mari peuvent vous séparer. Les femmes ou les hommes qui sont ennemis, qui n'apprécient pas l'œuvre que Dieu accomplit à travers vous, seront capables de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous séparer de votre mari et de votre femme, pour détruire votre ministère. Donc les femmes des hommes de Dieu doivent être des femmes matures qui peuvent gérer des crises aussi sérieuses que celles que l'apôtre Johnson Suleiman a pu traverser et il a été soutenu par sa femme. Et les hommes de Dieu doivent faire attention. Il faut à un homme de Dieu, une femme mature qui est devenue mère. C'est ce qui a sauvé l'apôtre Johnson Suleiman. Donc on a essayé de détruire son ministère par les scandales. Ça n'a pas fonctionné. Et après cela, ils ont attenté à sa vie directement aujourd'hui. Et comme j'ai expliqué, c'est un long cortège en fait. Parce qu'il se déplace toujours avec l'armée. Il est toujours escorté par la police. Les policiers bien armés. Alors les assaillants se sont rassurés de nettoyer toute la sécurité. Tous les policiers ont été tués. Et d'autres civils qui étaient dans l'escorte, il y a eu 7 morts. 7 morts. Lui et sa famille ont été sauvés par miracle, parce qu'il a encore des choses à accomplir pour Dieu. Maintenant, ce qui m'intéresse, le point focal de mon direct est celui-ci. C'est pour ceux qui disent que les hommes de Dieu ne doivent pas être gardés. Je pense que cet exemple, s'il doit arrêter le débat. Pour ceux qui disent qu'un homme de Dieu n'a pas besoin d'escorte parce que les anges protègent les hommes de Dieu. Mais parce que vous comprenez mal les Saintes Écritures, vous ne connaissez ni Dieu ni sa puissance.
La Bible n'empêche pas qu'un homme de Dieu soit escorté. Voilà pourquoi David était escorté. Salomon était escorté. Tous ces grands hommes de Dieu qui étaient des rois ont été escortés. Jésus-Christ lui-même était escorté et gardé par les 12 apôtres. Les apôtres n'étaient pas là juste pour accompagner Jésus. Ils faisaient partie du protocole de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à un certain moment, les enfants voulant s'approcher de Jésus, les apôtres les en empêchaient. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc les apôtres étaient là pour une sécurité autour de Jésus. Voilà pourquoi à la fin de sa mission dans le jardin de Gethsémané, lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre avait une épée. Donc il avait une sécurité armée et il a coupé. L'oreille, je pense, c'était des ticus. Donc ça veut dire que Jésus-Christ était gardé. Et l'épée que Pierre avait, c'est Jésus même qui la lui a donnée. C'est ça la réalité. Parce que Jésus, en enseignant juste avant d'arriver à Gethsémané, a demandé. Il a dit, je vous ai interdit de prendre les épées, maintenant prenez les armes, prenez les épées. Et quelqu'un a dit, ah, Seigneur, on a deux épées ici. Jésus a dit, gardez ça va nous suffire. On va bien travailler avec. Et c'est là que l'apôtre Pierre va prendre son épée. Et il va mettre ça sur lui pour défendre le Seigneur Jésus. Donc, le protocole, ceux qui disent que les hommes de Dieu ne doivent pas être protégés, ne doivent pas être gardés, ils n'ont pas besoin de la police, venez répondre de ça maintenant ici. Venez répondre de ça. Il faut qu'on. Ça doit vous montrer que les hommes de Dieu ont des grands ennemis. Le travail que nous faisons, ça ne plaît pas aux gens, pour plusieurs raisons. Un homme de Dieu comme Dieu, Suleiman, peut être haï à cause de la dimension dans laquelle il opère. Tu peux faire ton ministère sincèrement, humblement, sans aucune arrière-pensée, mais ça dérange quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut que tu disparaisses absolument parce qu'il se convainc que ta présence lui fait ombrage. Il y a des gens comme ça. Et dans cette jalousie aveugle, les gens sont prêts à tout. Aller prendre des mercenaires et des assassins pour attenter à la vie, pour attenter à la vie d'un homme de Dieu. Vous voyez, si Dieu n'était pas avec lui, nous aurions perdu l'apôtre John Suleiman aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire une chose, s'il n'était pas protégé, ça aurait été pire. C'est ça la vérité, parce que la police a quand même essayé de le défendre certainement. Si ce n'était que sa voiture, il n'était pas protégé, il n'y avait pas la sécurité, sincèrement, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que sa voiture qui serait l'objectif des assassins. Et vraiment, je pense qu'on serait peut-être en train de pleurer aujourd'hui. C'est un problème. Donc, le fait qu'il soit gardé était fondamental et je pense que Dieu a utilisé ça en sa faveur. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Soyez, il dit, les fils de ce siècle sont plus prudents que ne le sont les enfants du royaume. Est-ce que vous comprenez même ça? Il dit, les fils de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. J'avais réunion avec un ami préfet tout à l'heure là. Et justement, quand je suis arrivé, je lui ai dit, ah non, mon frère, tu devrais être protégé. Je ne peux pas entrer dans tout ton camp, tu as tout un domaine comme ça, on entre là-bas, il n'y a même pas un vigile. Donc il m'a expliqué pourquoi. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Pour ceux qui disent que les hommes de Dieu ne doivent pas être gardés, maintenant vous comprenez pourquoi nous avons la sécurité. Normalement, l'État doit protéger les hommes de Dieu qui atteignent quand même un certain impact et qui ont une certaine influence positive sur la société. Et je causais avec le préfet, c'est une autorité administrative. Il m'a dit que vraiment, on doit te décerner la médaille, c'est de quoi là? La médaille, c'est une médaille que le gouvernement donne pour reconnaître le travail que certains citoyens font dans la nation. Il m'a dit, je voudrais mettre ton nom pour cette médaille-là pour l'année prochaine. Ou cette médaille de quoi, la mérite de quoi? J'ai même oublié. Il m'a expliqué ça. Il a dit, quand il y a des individus, des citoyens qui font un travail qui est à reconnaître dans le gouvernement, et je veux dire dans la société, et que le gouvernement doit reconnaître et encourager. Il m'a dit, le travail que tu fais, c'est un travail qui doit être encouragé. Donc, il a dit, je veux mettre ton nom là-bas, et puis voilà, et à la cérémonie, je m'en sauve et tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous ne pouvez pas connaître combien d'ennemis les hommes de Dieu ont. On ne peut pas savoir. L'apôtre John Suleiman, son ministère là, ce qu'il fait là, ça peut ne pas plaire à beaucoup de personnes. Hormis cela, le fait que Dieu l'a béni financièrement, tu ne peux pas savoir combien de gens dans leur maison prient qu'on meure, souhaitent qu'on meure. Et donc, si quelqu'un souhaite ta mort, il a les moyens d'avoir des assassins entre les mains, il va les jeter derrière toi. C'est ça la réalité. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont rêvé que j'ai été attaqué, attaqué, attaqué par des malfrats et tout. Et c'est sincèrement une affaire qu'il faut que le gouvernement prenne à cœur. Que les gens comprennent que les hommes de Dieu ont des ennemis. Normalement, lorsque nous entrons dans la foule, j'ai causé un jour avec papa,
Assimendogo, qui m'a expliqué qu'un jour il était en train d'évangéliser, il entrait dans la foule. Quelqu'un a pris le couteau pour le poignarder. Heureusement, le protocole était là. Lui-même, il a sauté avant. Le protocole a maîtrisé la personne. Voilà, c'est chevalier, l'ordre chevalier, l'ordre de mairie ou chevalier, quoi. Donc, et là, le protocole l'a préservé. Donc, même dans la foule, tu ne sais pas qui est qui. Quelqu'un peut venir dans la foule avec le couteau juste pour en découdre avec toi, peut-être à cause d'une prophétie que tu as donnée, à cause d'une parole que tu as dite, ou à cause de la vérité que tu prêches, ou à cause du succès que Dieu t'a donné dans le ministère, ou à cause de l'impact que tu as dans le ministère. Les gens peuvent chercher à te tuer. Et se repenaient. Donc, le problème de la sécurité des hommes de Dieu ne se pose plus. Chaque homme de Dieu qui atteint un certain niveau, qui a une certaine influence dans la société, devrait être gardé. Voilà, c'est sa médaille de mérite de l'ordre et de la valeur, exactement. Ça, c'est Issachar Armageddon. C'est seulement le nom là qui dérange un peu. Mais sinon, merci, parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Un homme de Dieu, quand vous atteignez un certain niveau, devez être gardé. Votre famille doit être gardée. Vos enfants doivent être gardés. Et il faut mettre vos enfants dans des écoles bien sécurisées. Pourquoi? Parce que, sincèrement, moi j'ai eu un problème. Il faut que les gens comprennent. Moi, j'ai eu un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris cette affaire-là. J'ai eu mon chauffeur, un chauffeur que j'ai recruté. Je recrute le chauffeur et on travaille. Et à un certain moment, le chauffeur commence à me raconter des choses que je ne comprends pas. Il m'écrit, vous êtes en danger, patron, vous êtes en danger. Votre famille est en danger. Il y a menace d'assassinat contre vous. Et après, il a le droit au but. Il a le droit au but. Et il nous a déclaré qu'il y a des personnes qui sont venues le voir pour lui proposer une énorme somme d'argent pour qu'il m'assassine, moi et toute ma famille. J'ai dit, mon chauffeur. Et que ces hommes sont venus l'enlever chez lui à la maison, ils l'ont amené quelque part. Donc c'était une affaire tellement compliquée qu'on s'est retrouvé au tribunal avec ce chauffeur-là. Parce que quand quelqu'un vous dit déjà qu'on lui a proposé une énorme somme d'argent, il a dit qu'on lui a d'abord proposé l'argent pour aller me saboter en plein culte. On lui a dit, on te donne une énorme somme d'argent et tu vas aller dire là-bas. Parce qu'à l'époque, quand il m'a dit qu'on lui a proposé l'argent pour m'assassiner, mais vous me mettez-vous à ma place, je lui ai d'abord dit, va à la maison, je vais te rappeler. Ça, c'est la première mesure de sécurité qu'on doit prendre. Va, je vais te rappeler. Et donc, il est revenu à la charge. Il dit qu'on lui a proposé une énorme somme d'argent qui vient à l'église. Comme les gens rendent témoignage, là, il prend le micro et il dit que je suis sorcier. Que je suis sorcier, que je l'ai chassé parce que je lui ai proposé de boire le sang humain et de manger la chair humaine et il a refusé. Comme il a refusé d'entrer dans ma sorcellerie et donc je l'ai chassé du travail. C'est pour ça que je l'ai limogé. Et il a dit qu'ils ont dit que si ça ne fonctionne pas, les sabotages là, ça ne fonctionne pas, alors il faut m'assassiner, il faut porter atteinte à ma personne et à ma famille. Je dois disparaître à tout prix. On s'est retrouvé au tribunal avec lui. Nous sommes passés devant le juge. Il est venu avec son avocat. Moi, j'avais mon avocat et puis voilà. Et le jugement s'est passé d'une manière bizarre. D'une manière vraiment bizarre. C'était à Ikounou, au tribunal à Ikounou. Parquet là-bas. On est arrivé au parquet. On lui a demandé si ce qu'il a dit était vrai. Il a dit que oui, c'est vrai. Il a dit, il a répété qu'on est venu lui proposer une énorme somme d'argent pour d'abord me saboter. Si le sabotage ne fonctionne pas, il me tue, il m'élimine. On va encore ajouter l'argent. Et je me souviens que son avocat lui a dit que tu es malade. Tu es malade. On te propose d'assassiner le prophète Ferdinand Ekane. Et tu ne sais pas que ma femme et mes enfants persévèrent chez lui. Son avocat, je ne dis pas bon avocat. Et le procureur lui a dit, son avocat me dit, prophète, vraiment, je vous présente les excuses de la part de mon client. Mais mon client a besoin de délivrance et vous êtes un berger. Vraiment, c'est le travail que Dieu vous donne. C'est à ça que Dieu vous a appelé. Il faut le délivrer. Madame la procureure a dit à mon ancien chauffeur que, mais tu t'attaques à un homme de Dieu comme le prophète Kalim Ferdinand. Tu ne sais pas que nous tous là, on a besoin de ses prières qui prient pour nous. Et c'est grâce à ces prières-là que nous sommes debout aujourd'hui dans ce travail si dangereux. Donc, dans tous les cas, j'ai demandé qu'on ne l'amène pas en prison. Mais il a pris un engagement. Ils ont pris
un engagement. Il a pris un engagement. Et voilà, il a pris cet engagement-là. Et puis, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, aujourd'hui, est en train de veiller sur nous. Vous voyez. Maintenant, je vais répondre à Simon Biyiha. Les apôtres qui ont subi de la main des chefs religieux jusqu'à sont devenus des martyrs de l'Évangile étaient gardés par qui? Aujourd'hui, avec la laïcité et la liberté de culte, pourrons-nous dire que l'Église subit des menaces? C'est parce que nous sommes à une époque où il y a trop de faux prophètes et pasteurs. Je vais répondre à votre question. Je pense que vous ne lisez pas bien la Bible. Ou vous la lisez, mais vous n'allez pas trop en profondeur pour comprendre. Les apôtres étaient gardés. Oui, les apôtres étaient gardés. Les apôtres étaient gardés. Il faut juste être un peu attentif. Vous verrez, la Bible dit que les apôtres, les douze, lorsqu'ils rendaient ministère, personne n'osait s'approcher d'eux. Vous ne vous approchez pas des apôtres comme ça, ce n'était pas des personnes qu'on atteignait directement. Non, il y avait un protocole autour d'eux qu'il fallait d'abord avoir. Il y avait des frères et des sœurs qui veillaient sur eux. Ils étaient gardés. Vous vous souvenez, lorsque l'apôtre Paul est allé à Damas, vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit que le gouverneur de la ville a barricadé les portes. Il a gardé les portes, il a fait fermer les portes de la ville et il a dit qu'on arrête Paul pour le faire mourir. Mais qui a sauvé Paul? C'était les frères, il n'était pas seul. La Bible dit que les frères l'ont récupéré. Il y avait toute une chaîne de protection autour de l'apôtre Paul. Les frères ont récupéré l'apôtre Paul. Ils ont fabriqué un panier, ils ont mis Paul dans le panier, ils l'ont fait sauter la barrière, on l'a fait descendre par le mur de la ville, par les cordes et le panier. C'est ça qu'on appelle le protocole en fait. Il y avait des gens qui veillaient sur eux. Donc les apôtres n'étaient pas des gens que tout le monde pouvait atteindre facilement, tout le monde pouvait les rencontrer. Non, 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 mes amis. Il y avait des frères qui étaient autour d'eux. C'est-à-dire quand il y avait certaines affaires, les frères prenaient soin de ces affaires et quand ça atteignait un certain niveau, en ce moment-là, on arrivait jusqu'aux apôtres. Donc il faut que vous compreniez cela. Même si la Bible ne parle pas trop sur ça, mais il y a des indices, comme l'indice de Damas, qui peut nous montrer, comme l'indice d'Actes, qui dit que et nul n'osait s'approcher d'eux. Et Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, vous le savez bien, était gardé. Il était protégé. Jésus était protégé. Vous le savez. Il a dit, laissez venir les petits enfants, moi. Ça veut dire que les grands, là, vous pouvez les empêcher, mais les enfants, laissez-les quand même venir. Donc, mes amis, il faut qu'on soit des chrétiens matures, s'il vous plaît. Soyons matures. Donc, maintenant, j'étais en train de dire que les hommes de Dieu doivent être gardés et protégés. Surtout quand vous atteignez un certain niveau d'influence dans la société. On doit vous garder. L'Église, d'abord, doit veiller sur les prières. Et vous devez savoir que, avant que l'ange de Dieu ne campe autour de toi, avant que l'ange de Dieu ne vienne à ton aide, tu dois d'abord prendre des précautions toi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez simples comme des colombes et prudent comme des serpents. Maintenant, je vous pose une question. Si l'ange de l'Éternel campe déjà autour de moi pour m'arracher de tout danger, pourquoi encore être prudent? Il n'a plus être prudent. Parce que l'ange, aucun mal ne peut m'arriver. Aucun malheur ne peut m'arriver. Mais la Bible dit, l'homme sage voit le mal et se cache. Mais l'insensé voit le mal, avance et périt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, si l'ange de l'Éternel campe autour de moi, je vois la voiture qui est en train de venir et j'avance devant la voiture et parce que je me dis que l'ange va me porter. Comme il est écrit, il te portera sur ses ailes afin que ton pied ne heurte contre une pierre. La voiture va m'écraser. Ça, c'est clair, mes amis. Donc, il ne faut pas mal interpréter les Écritures. Parce que la mauvaise compréhension de l'Écriture va engendrer la mauvaise pratique. Et la mauvaise pratique va engendrer la diarrhée spirituelle. Automatiquement, l'indigestion spirituelle. Il faut comprendre. Le fait que l'ange de Dieu campe autour de toi ne veut pas dire que si tu vois le danger, tu dois foncer parce que l'ange campe autour de toi. C'est mal comprendre et mal interpréter. Tu vas mourir. La même chose, le Seigneur Jésus-Christ a dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront aucun mal. Ça veut dire que si tu bois même le poison n'aura pas d'autorité sur toi. Tu n'auras pas de mal. Mais je pose donc la question. Si tu vois quelqu'un en train d'empoisonner, tu pars, tu prends ça, tu bois, tu vas mourir parce que tu as été imprudent. Donc, le fait que l'ange campe ne veut pas dire qu'il ne faut pas veiller sur nous.
Il ne faut pas que tu fasses attention à ta maison. D'accord, je vais donc répondre à Biyena, à mon frère. Supposons que Dieu veille sur toi. Pourquoi tu dors? Pourquoi tes portes? Pourquoi ta maison a la porte et tu fermes la porte à clé? Pourquoi? Si Dieu veille sur toi, tu crois en ce que toi-même tu dis là. Tu comprends ça comme tu comprends. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de prendre des précautions, des mesures de sécurité en ce qui me concerne. Pourquoi la maison dans laquelle tu dors a les fenêtres et les portes? Il faut aller arracher les portes. Tu arraches les fenêtres. Là, je vais applaudir. Je vais dire que ça, je crois en ton évangile. Tu pratiques toi-même la parole. Mais ce qui est sur toi-même, frère, ce qui est sur que tu calmes même ta porte, tu mets, tu tournes ça à double tour, tu pousses même la table pour bloquer ta porte avec. C'est ça la vérité. Si Dieu veille sur toi, construis la maison sans porte. Mets tes biens là, mets tes biens immobiliers. Tu ne mets pas les portes, tu ne mets pas les fenêtres. Et on ne te braque pas. Je saurais que toi, tu es un chrétien supérieur. Ça veut dire que tu es hors hiérarchie. Mais la réalité, c'est que nous faisons ces choses. On met les portes et tout. Pourquoi? Parce qu'on a peur de bandits. On veut se prévenir. C'est-à-dire que si un bandit arrive, il casse ta porte, Dieu lui-même verra que tu as quand même pris des précautions. Et c'est là que l'ange de Dieu intervient. L'intervention de Dieu arrive où tes efforts s'arrêtent. Il faut que les gens comprennent cela. L'ange de Dieu intervient à partir du moment où ton humanité ne peut plus rien faire. Tu as fait tout ton possible. Mais c'est quand même arrivé. C'est là que le miracle intervient. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Par exemple, l'apôtre de Jean Suleiman, il a pris quand même une escorte. Et Dieu le sauve. Il a pris une précaution. Dieu ne peut pas lui dire tu es négligent. C'est ça la vérité. Nous nous négligeons, hein, c'est la réalité. Parfois, peut-être il faut que ça nous arrive. Le malheur nous arrive. Tu entends qu'on a assassiné un homme de Dieu. J'ai parlé de l'histoire de la jeune femme que des hommes de Dieu sont allés voir pour lui proposer de m'assassiner par le poison, de me tuer, de m'empoisonner. Ils lui ont proposé 1,5 million qu'elle doit m'empoisonner. Un homme de Dieu que j'ai honoré, que nous avons béni dans notre mission au début de ce ministère. La soeur a demandé 2,5 millions. Ils ont dit, OK, on va te donner 2 millions. Après, là, elle a eu un réveil de conscience et un revers de conscience. Elle les a chassés. Elle est venue me raconter ce qui s'est passé. Si elle avait dit oui, et à l'époque, je n'étais pas prudent comme aujourd'hui. Il y avait ce qu'on appelait la fête des pasteurs, où les gens portaient à manger, je prenais de l'eau, je ramenais à la maison, je buvais. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Si tu me donnes la nourriture, sache que je vais jeter. Je te le dis d'abord. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi l'argent, moi-même je vais l'acheter. On va préparer à la maison. C'est ça la réalité. Je ne peux pas compter combien de fois on a essayé de m'empoisonner. Je ne peux pas. La sœur est venue me dire que Dieu lui a dit que comme je travaille beaucoup, c'est elle qui doit faire mon petit déjeuner. Elle doit m'offrir ça gratuitement. Donc, chaque matin, elle m'a apporté le sandwich, et puis les boissons énergisantes là. En réalité, c'est des poisons. Ce n'est pas des boissons énergisantes. Vous buvez ça, vous vous exposez au diabète. En fait, c'est un poison terrible, le cancer et tout ça. Faites attention à ces boissons. Faites vos fruits africains, faites les fruits de chez nous. Quand vous fasse ça, on vous presse à vous buvez. C'est plus sûr que les choses qu'on nous propose là. Donc, elle pouvait m'empoisonner. Si elle avait dit oui, elle m'apportait, puis je mangeais, je serais mort. C'est ça, je serais mort en fait. Je ne peux pas compter combien de fois on essaie de m'empoisonner. Et c'est dans l'église que ça se passe. Donc c'est pour vous dire que mes amis, par jalousie tout simplement. Parce qu'on se dit, le Wadio, si là, lui-même, il vient, le gars était là, il avait le bouton là-bas, il vient ici, là, au lieu de rester en brousse, il vient ici et il fait des exploits dans le ministère, plus que nous qui sommes ici, et il se prend pour qui? Il faut qu'on doit en finir avec lui. Non, c'est ça la réalité. Donc mes amis, les hommes de Dieu doivent être protégés. Normalement, le gouvernement devrait nous protéger. Le gouvernement devrait nous protéger. Je vois le Togo. L'année prochaine, je vais au Togo. Mon prophète, je suis du Togo. Vous venez quand? Chez nous. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je serai là. Au Togo. Non, mais entre nous. Entre nous. Tu peux donner une prophétie. Quelqu'un est aigri par la prophétie là. Il est touché parce que tu as dénoncé ses œuvres. Il cherche à te tuer. S'il a le pouvoir, il le fait. Donc, vous devez comprendre que les hommes de Dieu doivent être vigilants. On doit être plus que vigilants. L'heure est mauvaise, l'heure est grave. L'église est devenue une jungle. L'église n'est plus un lieu sûr. J'ai déjà dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? S'il n'y avait pas eu ce policier là pour au moins défendre l'apôtre Joseph Suleiman et sa famille, aujourd'hui on aurait perdu un héros par assassinat. C'est ça la réalité. Donc mes amis, il n'y aura plus de débat là-dessus. Les hommes de Dieu doivent renforcer leur sécurité.
doit renforcer leur sécurité. Il faut faire attention. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui a été braqué en plein culte. En plein culte. Les gars sont venus armés. On l'a dépouillé là, enlevé ce qu'il avait sur lui, prendre son argent et à l'église, en plein culte, en plein direct. Voilà. Et on dit comme un homme de Dieu est décédé dernièrement en plein culte, après avoir, oui, bu du thé. J'ai vu ça. On a suivi ça. Servi par une sœur dans l'église qui l'avait invité. Où il avait été invité pour officier. Bien sûr, j'ai suivi cette histoire. J'ai suivi ça de très près. Un homme de Dieu, il va, son ami l'invite. Une sœur lui sert du thé et s'était empoisonné. Il est mort sur place avant même d'avoir prêché. Quand il a pris la parole, il a dit qu'il se sent mal. Il a des vertiges. Il est tombé sur place. Il est mort là-bas. C'est mauvais. Le dehors est mauvais, mes amis. On a des ennemis qui viennent se cacher à l'intérieur pour nous détruire. Voilà pourquoi un homme de Dieu, les hommes de Dieu, faites attention. Même la nourriture, quand on t'invite dans une église, vraiment, fais attention. Même les histoires des micros là. Vous savez qu'on empoisonne les hommes de Dieu avec les micros aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Les gens viennent nous dire, ah non, donc moi je vais aller me livrer comme ça, là pourquoi je meurs. C'est vrai que ma mort, vraiment, ne te dit rien. Mais je ne veux pas mourir. Parce que tu ne crois pas qu'un homme de Dieu ne doit pas être protégé. Non, on doit être gardé. On doit être protégé. On doit être escorté. Et je dis encore, c'est le gouvernement qui devrait sécuriser certains hommes de Dieu. C'est l'État qui devrait donner des agents de la sécurité, la police ou les militaires, les gendarmes pour dire gardez cet homme de Dieu. Tout gouvernement responsable devrait le faire. Au Nigeria, ça se fait. La dernière fois, je suis allé au Burkina Faso. Non, les autorités ont dit vous ne vous déplacez pas sans sécurité. Oui, j'étais escorté par les CRS ou c'est les CRS. Ils m'ont détaillé ce qui allait se passer. Ils m'ont dit, vous venez, vous êtes une autorité religieuse camerounaise, on ne veut pas de scandale dans notre pays. Donc, j'étais escorté, la voiture là, les gars étaient armés, cagoulés, on voyait seulement les yeux. Armés jusqu'aux dents. C'est leur voiture qui fonçait, qui ouvrait les embouteillages, la contresens, et puis on arrivait, et ils m'ont dit qu'il y a d'autres agents en tenue à l'entrée, et il y en a dans la salle, en civil et armés, pour intervenir à tout moment. Et c'était important. À l'époque, moi je n'aimais pas ça, je disais non, vraiment. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il y a ce que nous faisons, tu travailles toi innocemment, mais il y a quelqu'un qui est blessé. Ta présence, le fait que tu existes est un problème pour quelqu'un. Le fait que tu réussis est un problème pour quelqu'un. Le fait que tu amasses les foules est un problème pour quelqu'un, comme si c'est ta force qui le faisait ou comme si tu le faisais pour toi-même. Et on cherche à en finir avec toi. C'est mieux que quand le malheur arrive là, ça trouve que toi-même tu le dis quand même que je n'ai pas été négligent. Je me suis battu pour échapper, mais c'est arrivé. Et là, vraiment, tu n'auras rien à dire. Dieu n'aura rien à dire contre toi. Il saura que toi-même, tu as pris soin de toi, tu as veillé sur toi. Ouais. Voilà, on a Meggy Jenna qui dit que même le prophète Joël Tato a expliqué un jour avoir été agressé, transporté, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. C'est ça la vérité. On doit faire attention. On doit beaucoup faire attention. Surtout qu'il y a certaines personnes qui pensent que les hommes de Dieu sont des milliardaires. Quand on voit comment les gens donnent les offrandes, les 500 francs à l'église, là, les 500, et puis les gens se disent que vraiment c'est des milliardaires. Donc, mes amis, il faut prendre des précautions. Nous devons prendre des précautions. Parfois, ça vient même des autres hommes de Dieu. Ça vient d'autres hommes de Dieu. On a vu des hommes de Dieu aller incendier à la nuit l'église de leurs frères, parce que leurs frères rassemblent plus de monde qu'eux. Ouais. Mais toutes ces choses-là ne servent à rien. Donc, bien aimé, je conclue en disant ceci. Le débat sur la protection des hommes de Dieu doit s'arrêter. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous, les hommes de Dieu, on doit être gardés. Je bénis le Seigneur pour Papa Dionce Suleiman. Je bénis Dieu pour sa famille. Mais je dis, c'est un très mauvais signe. L'Église doit prier pour lui. L'Église doit prier pour lui. L'Église doit prier pour lui. Parce que quand c'est comme ça, là, on ne sait pas ce qui va encore arriver après. Nous ne voulons pas entendre de mauvaises nouvelles du côté du Nigeria. Nous refusons de perdre ce héros. Nous refusons. Et à nous, à notre petit niveau aussi là, on doit prendre des précautions parce qu'on ne sait jamais. Bien-aimés, mettons-nous en prière dans l'unité de prière pour Papa Johnson Suleiman. Et nous allons prier que Dieu le garde. Père, merci au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette attaque contre ton serviteur, nous anéantissons cela. Nous disons que les commanditaires soient exposés. Que ceux qui sont venus, les actants, soient exposés.
et que cette conspiration soit démasquée au nom souverain de Jésus. Tu verras sur la vie de ton noyé et de sa famille. Père, tu le garderas et tu le préserveras. Aucun mal ne l'atteindra. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Amen. Maintenant, je finis avec cette question. Vous vous imaginez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. Pourquoi l'ange n'a pas empêché qu'on tue cette personne? L'ange était où? Il faut comprendre comment Dieu agit. L'ange était là. L'ange a permis que le Seigneur intervienne. Le Seigneur est intervenu par les anges et l'apôtre et sa famille ont été préservés. Donc, bien aimé, la sécurité des hommes de Dieu ne fera plus débat désormais. Les hommes de Dieu doivent être gardés et protégés et pas une sécurité professionnelle. On a besoin des professionnels. On a besoin des professionnels. Pas la sécurité, que s'il y a un problème là, les gars vont disparaître. Tu vois comment les gars de la sécurité disparaissent dans les ombres là-bas pour te laisser seul face au danger. Donc, non, non, on a besoin des professionnels. Que le gouvernement prenne ceci très au sérieux pour participer au moins à la sécurité des hommes de Dieu qui travaillent d'arrache-pied pour l'éducation des citoyens. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Restons dans l'unité de prière pour Papa John Soleiman. Rendez-vous demain à partir de 7h30 à la Bible pour un culte terrible d'onction supérieure et d'onction familiale et le soir à 16h à Douala pour notre culte des familles. Et toute la semaine à Douala, mardi, mercredi, jeudi, et pas vendredi, c'est la nuit de prière là-bas, nous serons ensemble pour expérimenter la puissance de l'onction, de la supériorité spirituelle et dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. À tous ceux qui ont été à la nuit de flamme, ok, après ça, allons nous reposer, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bye. Shalom.